qui prend place avec nous. Pierre, bah déjà, dites-nous comment vous arrivez ici, dans quel état de forme, après un stage en altitude, je crois. Bah ouais, c'est ça, retour du stage. Bah après, c'est toujours un peu dans le flou, parce que forcément, à l'entraînement, ça va, mais après, faut voir en course. Je pense que ça fait du bien de venir se débloquer, faire un peu de rythme sur la course avant le Dauphiné, quoi. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Parce qu'on a un beau plateau, mais à votre image, on a beaucoup de coureurs aussi qui reprennent la compétition. Ouais, je pense que beaucoup de gens redescendent de stage et du coup il y en a beaucoup qui vont vouloir se tester peut-être, voir où ils en sont, et je pense que ça peut faire une course de mouvement du coup et démarrer assez tôt dans l'étape. C'est quoi le risque quand on vient de stage et que justement on se teste, c'est tout à coup de ne plus avoir l'énergie, d'aller un peu trop loin? Ouais, ou de ne pas arriver à faire le changement de rythme au moment où ça attaque, que ça aille très bien sur la journée quand ça roule tempo, mais au moment où il faut passer la vitesse supérieure, que ça coince un peu, quoi. Quelle image vous voyez, enfin quelle place vous voyez pour cette course à l'avenir? C'est une course d'un jour qui est comme une étape de montagne de grand tour. Comment vous la voyez évoluer cette épreuve? Bah, c'est une belle course, il n'y en a pas beaucoup comme ça, des courses d'un jour avec autant de dénivelé qui arrivent au sommet. Donc je pense qu'elle a un bel avenir. Merci bien, bonne course. Merci.